nous étions là hier, et bien le rendez-vous se renouvelle aujourd'hui puisque dorénavant vous nous retrouverez tous les mardis et mercredis à partir de 15h en direct avec plusieurs invités, des débats intéressants, également des chroniques. Je pense que ça va, ça commence, vous commencez à vous habituer aux différents chroniqueurs et chroniqueuses, mais également à la variété d'invités qu'on vous propose. Des fois on suit un petit peu ce qui se passe sur l'actualité, par exemple culturelle, mais pas que. Aujourd'hui il en sera question avec deux artistes. On a la chance d'avoir deux artistes avec nous. L'une est déjà installée. Je l'adore encore une fois. En fait, j'adore tous les artistes. Il y en a peut-être quelques-uns que j'aime un peu plus. Celle-ci en fait partie. Pourquoi ? Parce qu'elle est particulière. Elle vit dans un univers musical particulier. Elle-même est très spéciale. Et elle a du nouveau. Enfin, Hind Boukella a du nouveau et elle vient le partager avec nous. Dans Souriez, vous êtes sur Cana avec son tout dernier clip qui est tout chaud, hein, vient juste de sortir. Et on vous le proposera aujourd'hui en exclusivité parce qu'il n'est pas encore passé sur Canal Algérie. Vous allez voir un petit bijou musical. Il y aura bien sûr Hicham Daou qui sera avec nous. Hein. On ne peut plus se passer de lui, Hicham Daou, dans sa chronique El Marsem hier. Il nous a fait voyager avec les flamants roses aujourd'hui. La barre, elle va encore monter. Il a placé la barre très très haut. Ça va certainement parler à Hind Boukella, puisqu'il va nous parler de Ehlil. Oh là là, hein, tout un patrimoine sur lequel il va revenir en images et bien sûr avec beaucoup d'informations. On parlera également d'infotrafic dans la chronique prévention routière. Vous le savez, tous les mercredis, on s'intéresse à ce qui se passe autour de nous, comme accident de la route, malheureusement. Et on est là pour sensibiliser avec bien sûr un invité qui représentera Infotrafic ITA Algérie. Ils sont très très nombreux à être abonnés à leur page, plus de 2 millions d'abonnés, et justement ils nous parleront comment ils font dans la sensibilisation. Nous aurons également un autre artiste, il s'agit de Hassan Agran, et oui, il fait partie du groupe Caméléon. Caméléon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'eux. Pourquoi? Eh bien, grand point d'interrogation, il a accepté gentiment de venir pour nous parler de ce qu'ils préparent. Est-ce qu'ils sont en écriture? Est-ce qu'ils préparent quelque chose de nouveau? Eh bien, vous saurez ça tout à l'heure. Et puis nous recevrons une représentante du ministère de la Culture, parce qu'il y a eu une très très bonne nouvelle récemment. Ça s'est passé en tout début de ce mois de janvier, puisque le ministère de la Culture et des Arts a promulgué, donc début janvier, un cahier de charges relative à l'exploitation et à la gestion par le secteur privé des salles de cinéma. Dans la plupart sont fermées, pour être tout à fait exact, 12 salles de cinéma. Vous aurez beaucoup plus de détails dans quelques instants, en deuxième partie d'émission. Et puis bien sûr, le tout couronné avec des clips de Hind Boukella. Qu'est-ce qu'on aura aussi? La chronique nostalgie. Ah, la chronique nostalgie aujourd'hui, c'est un petit bijou cinématographique, je ne vous en dis pas plus. Vous êtes donc les bienvenus dans votre émission Souriez. Vous êtes sur Canal et on la commence tout de suite en accueillant Hind Boukella. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Ça va? Ça va, merci. Bienvenue, quel look. Merci. Hein? Alors, il est quoi, africain, brésilien? C'est un mélange. Hein? C'est africain. Voilà, c'est africain. Voilà, toujours fidèle, Hind. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir. Merci. Ça faisait quand même un bon moment qu'on n'avait pas fait de plateau ensemble. Et Hind, j'aime bien parce qu'elle me dit, si j'ai pas de nouveau, j'aime pas passer à la télé, j'aime pas faire de télé. Et elle est venue avec un tout nouveau clip dont nous allons parler dans quelques instants. Hicham Daou, bonjour. Bonjour, Olivia. Ça va? Très bien. Alors, aujourd'hui, la barre, c'est Tlaka. Oui, oui, parce qu'on adore le désert, ouais, mais beaucoup plus le chant poétique des gens du Gorala. Ouais. Donc, ça fait vraiment plaisir de mettre en valeur cet art qui est considéré comme étant patrimoine mondial de l'humanité. En plus, c'est un art qui inspire, qui a inspiré et qui continue à inspirer d'autres artistes. D'accord. J'aurai quelques questions à vous poser justement dans quelques instants, mais on va commencer par elle. Vous connaissez cette culture de elle, et là, juste pour... Oui, hein. J'ai jamais assisté à cet événement, mais effectivement, oui, c'est quelque chose d'impressionnant. Ouais. Mon père me parle souvent de elle, et lui, il a eu l'occasion de vivre l'expérience... D'accord. Au sud. Ouais, j'ai oublié de vous dire que toute la famille Boukella, c'est une famille d'artistes. Donc, elle a toujours baigné dans le domaine artistique. Alors, Hind, un clip à l'honneur, hein, enfin, aujourd'hui dans l'émission. Enfin, on attendait vraiment du nouveau de Hind, ouais, parce que bon, on a l'habitude de vous voir, par exemple, sur les réseaux sociaux, partageant spécialement durant le Covid, où vous avez beaucoup travaillé avec des musiciens, c'est vrai, où vous reprenez des standards, ouais, ou vos propres textes. Mais là, c'est un tout nouveau clip. Oui.
C'est le. Alors, vous pouvez parler de ce titre. On rappelle le titre d'ailleurs, Mchou. Oui, à la base, c'est, au début, c'était prévu qu'on mette le titre Baïnik Mchou, mais après, ça a été un petit peu compliqué de l'écrire phonétiquement et tout. Mm-hmm. Donc, on s'est contenté de donner le titre de Mchou. Voilà. Alors, ça parle de quoi? Alors, ça parle d'amour, de rupture. Je pense que c'est assez classique comme histoire. Oui, sauf que parce que d'habitude, quand on parle de rupture ou de choses, de sujets tristes, la musique, elle suit, elle est triste. Mais là, elle n'est pas triste. Au contraire, je trouve qu'elle est très... ça me rappelle la cumbia. Je ne sais pas si vous avez utilisé... C'est sur un rythme cumbia. C'est sur un rythme cumbia, mais vous chantez en arabe. En arabe, et c'est toute la particularité de votre style, parce que je pense qu'aujourd'hui, vous avez décidé d'aller vers ce chemin-là. Mm-hmm. D'abord, cette chanson, elle a une petite histoire. Et ce qui est impressionnant, ce que j'aime beaucoup dans la musique, c'est le partage. Et je me rends compte à chaque fois que tout naît du partage. Cette chanson a vu le jour grâce à un petit instrument qui s'appelle charango. Mm-hmm. D'ailleurs, on le voit dans le clip. C'est un instrument que m'a offert mon oncle. Ouais. Et c'est avec cet instrument que ce titre a vu le jour. Et voilà. D'accord. Donc, il y a toute une histoire. Oui, oui. Et puis, j'aime bien le clip, entre amis. Et puis, l'histoire du début. C'est un petit peu le quotidien des artistes algériens. On se rencontre souvent. Ça commence par une partie de grillade. Exactement. Et ça finit avec une jam. Et ça finit par la grillade, enfin la viande. Oui, on finit toujours par oublier la viande sur le. Exactement. Sur le barbecue. Donc, on ne va pas trop tarder. Hein, on ne va pas trop s'étaler parce que moi, je veux vraiment voir ce clip. Je ne sais pas si Hicham, vous l'avez vu. Au contraire, j'ai hâte. Ah, vous ne l'avez pas encore vu? Non, pas encore. Ni vu le clip, ni écouté la chanson. Du tout. Oh là là, ouais. Alors, il faut regarder tout de suite le tout dernier clip de Hindbook, là je le rappelle, en exclusivité sur Canal Algérie et dans l'émission Souriez. Vous êtes sur Canal, vous allez certainement sourire et en même temps, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui vont être touchées par le texte, mais d'une manière générale, je pense que c'est le sourire qui va l'emporter à travers ce clip de Hindbook là.
Là, une chauffe à l'instant sur Canal Algérie. Et franchement, alors Hichem, qu'est-ce que tu en penses? C'est très paisible comme titre. Ouais. Voilà. Ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien d'écouter des titres comme ça. Voilà. En plus, ça y est, elle a commencé de faire son chemin dans la composition. C'est très intéressant. Ouais. Elle se démarque. Mm-hmm. Voilà. Alors justement, ton histoire avec la composition. Ben, d'abord, j'avais pendant un bon bout de temps, j'avais vraiment du mal à écrire en arabe, darja, parce que j'ai des influences très latino-américaines, jazz et tout. C'est vrai que j'écoutais de la musique algérienne, mais j'ai jamais réellement pensé à faire un lien entre les styles. Et j'ai eu beaucoup de difficultés au départ, mais ensuite c'est venu comme ça. Je pense que c'est au feeling, c'est selon l'inspiration. Peut-être qu'il fallait juste attendre le bon moment. Exactement, le bon moment c'est le point le plus important dans le. Mais il faut toujours finalement, il faut commencer tout simplement. Il faut prendre. Il était temps. Exactement, il faut prendre. Parce que souvent on te le disait, hein, alors j'ai une demoiselle, et tu disais non, j'aime bien prendre mon temps. Oui. J'aime bien. En plus, t'es perfectionniste, donc t'aimes bien les choses bien faites. Oui, on va dire oui, mais je pense que c'est juste un petit manque de confiance par rapport à la langue et tout. Donc, c'est une sorte de respect comme ça envers Derja. Donc, je me dis, si je le fais, il vaut mieux que ça soit bien fait. Bien fait. Ouais. Et ben voilà, donc tu peux nous parler des musiciens, parce qu'il y a eu quand même des musiciens super professionnels qui t'ont accompagné sur ce titre-là. Oui. D'abord, qui a composé le titre? Alors, le titre a été composé par Mehdi Djama. Oui. Donc, il avait commencé à plaquer les premiers accords sur le charango et a aussi chanté les deux premières phrases. Bainik nchouf dnia hlouwa, bsout knesma nermat hnina. Puis, on a commencé tout simplement à jammer. Après, on l'avait mis de côté. Et un jour, j'étais seule à la maison, j'avais pas grand chose à faire. Je pense qu'à ce moment-là, pas de télé, parce que je rappelle. Non, mais ça m'a marqué cette information. Je suis obligée de la dire, de la donner. Hind Boukla est une artiste, un être humain qui vit sans télévision. Elle a pas de télé à la maison. Elle regarde pas la télé. Je regarde pas la télé, mais par contre, je suis tout le temps branchée sur Internet. C'est-à-dire, je regarde beaucoup de concerts de musique sur YouTube. On va dire que YouTube est ma chaîne préférée. Voilà. Mais télé ou allô? La télé, franchement, non. C'est non. Bien, hein? Oui, j'imagine. J'ai pas de télévision. Ça doit apaiser, ça doit calmer. J'avoue que oui. J'épargne mon cerveau des informations. Très bien. Donc ensuite, pour revenir à l'histoire, et ensuite. Donc voilà, un soir, j'étais seule. Je pense que j'ai eu un moment d'inspiration. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on va revenir un petit peu sur ce morceau. Et c'est là que j'ai fini le texte. Et ensuite, je l'ai chanté à Mehdi Djama. Il était très inspiré. Il a arrangé le morceau. On l'a arrangé un petit peu ensemble et tout, chacun a donné ses idées et lui bien sûr comme il est excellent musicien, c'est toujours lui qui arrive à mettre mes idées, à concrétiser mes idées exactement. D'accord. Et après vous avez fait appel aux musiciens. On a fait appel aux musiciens et vous avez enregistré donc, le titre. Il y a eu Nazim Bakour, il y avait Rafer Ketani, Youssef Bouzidi aussi a participé dans les arrangements. On a vu Amin Merahba. Amin Merahba, il a figuré dans le clip. Dans le clip. Je le salut. Mm-hmm. Aussi Najil Gamora qui s'est occupé du mix et tout. Donc voilà, il y a eu tout un. Il y a eu. Voilà. C'est pour ça que le résultat est bon. Exactement. Tout simplement. C'est très important de faire appel à des musiciens professionnels parce que souvent on utilise le mot musicien de session. Ouais. Donc il exécute bien, avec précision et on ne perd pas beaucoup de temps. Mm-hmm. On garde toujours l'authenticité du morceau. Exactement. Après, pour moi, c'est très important de travailler avec mes musiciens parce que nous sommes comme une famille. Donc j'apprécie beaucoup les autres musiciens, mais il faut savoir que c'est des gens avec qui je joue depuis déjà quelques années. Ah oui, bah c'est donc ça. Donc on est comme une famille. On ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Oui. Voilà, tout simplement. Donc on compose ensemble, on arrange les morceaux ensemble et on rigole là. Ensemble. Exactement. On s'énerve ensemble, on des s'énerve fois. Ensemble. On se prend la tête. Pas trop, ensuite, ça va. Mais après, le résultat est là. L'essentiel, c'est le résultat. En tout cas, on est vraiment très content d'avoir passé ce clip qu'on repassera souvent, merci. Pourquoi pas, dans cette émission. Et puis on le partagera avec d'autres émissions de Canal Algérie. Parce que franchement, c'est un titre qui donne vraiment de la
joie. Il est apaisant parce que Hind a une voix apaisante, tout simplement. Vous restez avec nous, Hind, parce qu'on reviendra dans quelques instants sur l'autre style de Hind. Là, on a parlé bien sûr de votre style actuel et futur, mais sans négliger les autres auxquels vous êtes très attachés, à savoir le jazz, la bossa nova, etc. Mais tout de suite, on passe à la chronique El Marsam. El Marsam, eh ben, c'est tout de suite. Qui vous présente sa chronique El Marsam aujourd'hui. Il va aussi nous faire voyager, il va nous apaiser. Oui, on va essayer de rester en Afrique parce que c'est presque les mêmes inspirations. Quand on dit l'île, on dit le sud algérien, on dit l'espace géographique du Gourara. Au milieu de nulle part, en plein désert, des gens qui ont inventé un chant poétique, et un chant qui ressemble un peu à un chant destiné pour les femmes qui travaillent dans les champs. Mais par la suite, ce chant est devenu une façon pour transmettre le savoir et les textes religieux pour la population qui est considérée comme une population analphabète à l'époque. C'était une manière pour véhiculer le message, mais avant c'était ezeloise, ça veut dire c'était un chant pratiqué, initié par les femmes dans les champs agricoles, presque comme le blues c'est américain. C'est ce que j'allais vous dire. Finalement, et l'Ilias, ce qui est étonnant, ça veut dire à un moment donné, c'est on écoute ce genre de musique, on va détecter les mêmes pentatoniques du blues, ça veut dire on peut jouer même les 12 mesures du blues. Donc d'accord, c'est la même source, c'est l'Afrique qui est à l'initiative de ces styles-là qui font actuellement le bonheur de la musique mondiale. Peut-être qu'elle a quelque chose à dire sur ça, Hind. Évidemment, on revient toujours au même point et à la même conclusion. Merci. Donc l'Afrique reste le berceau de l'humanité. Comme on le disait hier, le berceau de l'humanité, voilà, n'est-ce pas? Et tout commence par l'Afrique. Tout commence par l'Afrique, effectivement. C'est une richesse musicale infinie. Voilà. Alors, oui, je voulais juste rajouter, Lydia, que cet art est accompagné par un rituel, c'est-à-dire en matière d'interprétation, en matière de chant, en matière de chorégraphie. C'est des chants initiés par des femmes, mais par la suite, quand les hommes ont adopté ce genre de musique, donc il y a toute une façon de faire. Il y a trois étapes, c'est-à-dire comme la musique un peu andalouse, il y a 24 heures, mais le Ahelil, il y a trois phases durant toute la nuit. Il y a l'Aougrout, il y a le Mserrah, il y a le Tran. Et puis, quand ils sont par terre, ils jouent ce qu'on appelle tagrat, ils utilisent un instrument qui s'appelle le bingri, c'est pas le gombri. Et ce qui est intéressant, c'est que cet instrument est méconnu chez le grand public. C'est quoi le bingri? Le bingri, c'est un instrument traditionnel utilisé dans la musique ahelil. Il y a deux fils, mais une sonorité très très agréable. Mais c'est un instrument qu'on ne voit pas souvent. Ça ressemble au gombri ou pas? Non, c'est pas le gombri, c'est carré avec la peau de. Par contre, le bingri, il est utilisé à travers la citrouille. Voilà. Wow. Donc, je vais montrer ça sur le reportage qu'on va voir tout de suite. Eh ben, on va le voir tout de suite parce qu'à chaque fois, on en apprend des choses et il vient comme ça, il nous lance des images à couper. Oui, le bingri est très méconnu alors qu'il est classé patrimoine mondial avec le ahelil. Waouh, c'est dommage ça. Donc heureusement que vous êtes là aujourd'hui, Hicham, pour nous faire. Il est très très intéressant cet instrument. Eh ben, on y va tout de suite à travers donc votre reportage où vous êtes intéressé. Oui, alors dans le reportage, on va montrer le doyen de cet art, Ahelil. Je tiens à rendre hommage à Moulay Timi Lairhamou. Moulay Timi qui a travaillé beaucoup dans la conservation de cet art avec Mouloud Mamri Lairhamou. Il y a aussi le Hadj Bakoko qui est un interprète très très élégant. D'accord. Voilà. Alors, toute une légende autour de... Chaque érudit a toute une histoire derrière. Très bien. Et heureusement que vous êtes là pour nous faire rappeler tout ça et leur rendre hommage finalement comme il se doit. Et on y va tout de suite avec votre reportage, Hicham Daou. Le Ahelil est un genre poétique et musical des Zénètes, peuple berbère du Sahara. En 2009, il a été inscrit comme patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO.
Pas étonnant pour cette inspiration quand on sait que sa source est cette immense dimension cosmique, venue d'ailleurs et habitée par un silence impressionnant. L'appellation exacte est Tehlil. Ce sont des louanges à Dieu, ainsi que des hommages rendus aux parents et aux sages. Le Tehlil est un genre poétique qui regroupe toutes les formes poétiques de la poésie classique. Les habitants étaient analphabètes et ignoraient les pratiques religieuses. Les savants de l'époque ont trouvé dans le chant de Tehlil une façon idéale pour apprendre aux personnes les préceptes de l'islam. Certains pensent que ce sont les gens de la nuit. Ce n'est pas les gens de la nuit. C'est Dekirun. Si on prend le terme religieux, c'est Dekirun. Ceux qui implorent Moulana Subhanahu wa Ta'ala. Avant, on passait beaucoup de temps dans les soirées qui débutaient à partir de minuit et qui se terminaient à l'aube. Aujourd'hui, les pratiques ont changé. Nous commençons vers 21h et on termine vers minuit. Quand on est assis, on utilise un instrument appelé le bengri et la pierre du moulin d'orge comme percussion. Lorsqu'on est debout, on utilise la flûte et la derbouka comme percussion. Quand je coupe cette citrouille, elle me donne cette forme. J'y rajoute une manche en bois et je la couvre avec une peau de chèvre. Après, je place deux fils de pêche et cela me donne le bon son de Tehlil. On dit le premier, on dit le deuxième. Je voulais raisonner la musique, ça fait que la musique de Tehlil. Toute notre vie est liée à Tehlil. Tout notre patrimoine oral est dans cet art. Le Tehlil, une musique spirituelle de la région du Gourara, aux sonorités typiquement locales. Des airs envoûtants qui nous font voyager et qui ne laissent personne indifférent. Voyage, quelle beauté! Et on est tellement fiers d'avoir ce Tehlil qui fait partie du patrimoine national, mais également classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc franchement, bravo Hicham pour ces belles images. Elles vous ont parlé, ces images, surtout que demain, je crois que vous allez prendre la route pour le sud. Pour le sud. Bon, pas à Timimoun ni à Djanet, mais vous allez aller du côté de Tarit. Tarit, effectivement. Pourquoi? Nous avons décidé de faire une résidence entre musiciens pour avancer de façon intense, on va dire, sur l'album. On va maqueter, on va mettre les idées sur... Vous avez besoin du Sud pour être inspiré. Vous adorez le Sud, hein? Moi, j'adore le Sud. Le Sud m'a guéri, on va dire. C'est bien. Exactement. Donc, c'est un espace, c'est un endroit où on peut s'inspirer facilement. Surtout que là-bas, on a la paix, la tranquillité. L'harmonie du silence, exactement. On n'a pas besoin de télé là-bas. Du tout, déjà que là, on n'a pas besoin. La notion du temps s'arrête là. Exactement. Très bien, ça c'était juste pour la petite transition, parce qu'il parlait donc du Sud, vous aussi vous partez au Sud, c'est pour dire toute l'importance qu'a le Sud de l'Algérie sur l'être humain, c'est-à-dire l'impact qu'il a sur nous psychologiquement, psychiquement, physique, tout. Alors, il faut savoir, Lilia, que c'est devenu un voyage de thérapie. Mm-hmm. C'est-à-dire les gens vont pour se ressourcer et pour carrément être avec soi. Mm-hmm. Donc c'est une méditation et c'est une thérapie. Mm-hmm. Et c'est pour ça que l'Organisation mondiale du tourisme présente l'offre touristique algérienne et surtout du désert comme étant un produit de luxe. Très bien. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez rajouter comme info sur Le Tehlil, alors c'est un art, enfin les gens de Tehlil actuellement souhaitent pour que cet art
va au-delà des frontières, comme le Inzad, oui. Avec le blues tergui, comme actuellement Tinariwan. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des artistes qui ont fait de leur spécialité cela actuel, hein, qui ont pris la relève, qui, je ne sais pas moi, qui... Oui, il y a une école, une association qui travaille dans ce sens, c'est l'association Tifautiziri, qui lance carrément l'enseignement du Ahlil au sein des... Voilà, par exemple, voilà, ouais, c'est bien ça. Pour les enfants du Gourara. Mm-hmm. Et il y a même le Hajj Barka Foulani, que je salue, a carrément édité un livre qui parle des poésies de l'Ahlil. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de... Non, mais est-ce qu'il y a, je veux dire, un travail de... Quand vous dites qu'ils partent au-delà de nos frontières, qu'ils voyagent, est-ce qu'il y a des artistes qui pourraient, voilà, aller... Comme on est en train de voir des artistes du Sud, je ne sais pas, bon, ce n'est pas le même style, mais on peut citer Tiku Bewin, Imrhan, etc., qui, eux, font des salles archi-combles à l'étranger. Oui. Pourquoi pas ce style-là? Alors, bon, il y a eu déjà une expérience avec Aïcha Lbga, oui. Parce qu'elle, elle est normalement, elle est de Timimoun. Oui. À travers son interprétation, elle a pu mettre le toucher du Gourara, mais le Ahlil, pour fusionner et faire un travail de recherche, je pense que le travail académique a été déjà fait par Mouloud Mahamri Lahirhamou et par la suite par des chercheurs comme Rachid Bellil, mais le côté artistique, normalement, comme l'intérêt est grandissant, je pense que les musiciens vont finir par vulgariser cet art. Voilà, et lui donner juste sa place, c'est tout finalement. Hein. Parce que les gens de l'extérieur cherchent l'authenticité. Et exactement. Dans le Gourara, ça veut dire par exemple le Qarqabou, le style du Qarqabou, on a l'impression d'écouter une percussion. Mais par contre, le côté culturel de cet art est très, très, très lié à la méditation. Par exemple, quand un village fait des grosses caisses, des tambours, l'autre village fait la grosse caisse. Donc, il y a une continuité de façon télépathique. Très donc, bien. Une spiritualité qui tourne entre les villages, et ce qui fait toute la différence avec un art industriel et un art culturel et authentique. Merci, merci Hicham pour toutes ces informations. Et tous ces détails, franchement, il y a une bibliothèque dedans. Hein, vous merci. En avez des infos et merci de les partager avec nous tous les mardis et mercredis. Merci, c'est un plaisir à chaque fois parce qu'on apprend beaucoup de choses avec vous. Hind, alors, pour revenir juste avant de se quitter, vous n'avez pas pour autant laissé tout ce que vous aimez, le jazz, la bossa nova, etc., puisque vous reprenez souvent des standards, des classiques. Et je me rappelle, moi, ça m'avait marqué. Une fois, j'avais fait écouter votre chanson à une collègue. Elle m'a dit, ah, c'est une brésilienne. Là, non, pas du tout. C'est une 100% algérienne, mais elle maîtrise tellement la langue portugaise quand elle chante que voilà, on a l'impression que vous êtes brésilienne alors que vous êtes une algérienne pure et dure. Mais vous êtes très penchée sur ce style, qui vous va très très bien d'ailleurs. Merci, merci. Il faut savoir que je ne chante pas que de la bossa nova. Non, du jazz, tout. C'est-à-dire, je m'intéresse à tous les styles latino-américains en ce moment avec mes musiciens. Mais la bossa nova, c'est celui qui vous va le mieux. C'est vrai, j'imagine qu'avec le timbre de ma voix, ça va très bien avec la bossa nova, effectivement. Vous allez continuer dans ce style? Toujours. On va continuer dans ce style, tout en essayant de composer une musique algérienne avec des couleurs latino. Ce qui est intéressant aussi, que dans les années 30, les musiciens algériens quand même étaient baignés dans cet art. Comme par exemple, on peut parler d'Ahmed Malik Allahyarhamou, qui était très intéressant en matière de musique latino. D'ailleurs, même on voit ça dans ses compositions. Exactement. Il y a Boudjemia Merzak, il y a plein d'autres musiciens. Et c'est ce que fait Hind aujourd'hui. Voilà. Elle a continué. Donc l'algérianité, la langue, le dialecte algérien va parfaitement avec le latino. Mais il faut savoir aussi que même la musique brésilienne tient sa source de l'Afrique. Tout revient à l'Afrique. C'est moi, j'avais eu une discussion avec l'ambassadeur du Brésil en Algérie et on avait justement abordé le sujet. Je lui avais posé la question sur les rythmes brésiliens, comme quoi ils ressemblaient beaucoup au rythme du Cap-Vert et que le Cap-Vert s'inspirait beaucoup du Brésil. Il m'a dit non, c'est tout le contraire. Voilà, c'est tout le contraire. C'est plutôt le Brésil qui s'inspire. Exactement. Du Cap-Vert. Voilà, très bien. Des rythmes. Merci en tout cas, Hind, d'être venue. On vous souhaite bon vent, beaucoup, beaucoup de projets. L'album, j'espère, pour 2023, pourquoi pas. Inchallah. Si c'est des titres comme ça, on en veut Inchallah. plein. Ramenez-nous. En chaque fois qu'il y aura un titre, vous serez la bienvenue. Merci. Merci, d'accord. Merci, bon séjour au sud aussi, bonne route. Merci. Et,
J'espère que vous allez être vraiment inspiré pour sortir du nouveau. Inch'Allah. Voilà, et restez comme vous êtes. Surtout, ne changez pas, Hind Boukella. Merci beaucoup d'avoir égayé aujourd'hui notre plateau. Et Hicham Daou, merci. Merci, Lilian. Je suis un peu triste. La semaine prochaine, tu seras là ou pas? On verra. On va essayer. Tu seras là sans être là. Voilà. Voilà, on verra. Tu seras là, Inch'Allah. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la chronique, le Morsam sera là. Ça, c'est sûr. Inch'Allah. Merci, Hicham. Allez, ce qu'on vous propose là tout de suite, c'est de continuer avec Hind Boukella. On a entendu son tout dernier titre qu'on vous repassera, bien sûr, dans l'émission. Une chauffe. Mais là, quand même quelques mots sur Chega de Saudade, parce que ça reste un incontournable, un classique brésilien. Un classique, c'est le premier dans l'histoire de la bossa nova. Donc, le premier disque qui est sorti à l'époque, c'était un vinyle qui comportait deux titres, Bim Bom et Chega de Saudade, qui a été composé par Antonio Carlos Jobim et Vinicius de Moraes. Et puis vous lui avez donné votre couleur. Merci. Mais c'est incroyable parce que vous vous êtes attaqué à du lourd, choisir du Antonio Jobim, c'est pas donné à tout le monde non plus, n'est-ce pas? Donc on va l'écouter, ça va nous donner du baume au cœur, ça va nous emmener au Brésil tout en restant en Algérie avec Hind Boukella qui est entouré encore une fois d'excellents musiciens. Ça s'est passé dans un studio d'enregistrement? Oui, studio OVA, très bien. À Zeralda. Voilà, et puis ça a donné juste ce résultat. Donc merci Hind, à très bientôt. Et merci. On va donc regarder tout de suite Chega de Saudade à la sauce de Hind Boukella. Pai, minha tristeza, diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de continuer la chanson. Après, ça fait... Bah oui, c'est l'une de mes chansons préférées également.
vu que je suis fan de Antonio Carlos Jobim. Allez, tout de suite, on va continuer avec d'autres invités qui viennent de nous rejoindre sur le plateau de Souriez. Vous êtes sur Canal Algérie. Alors, vous le savez, à chaque mercredi, on parle de prévention de sécurité routière, histoire de sensibiliser encore et encore tous ceux qui font des bêtises sur la route. Et malheureusement, ces personnes sont nombreuses. Donc, à chaque fois, on a des invités. La semaine dernière, on avait reçu le capitaine Nassim Bernaoui qui nous avait donné des conseils très pratiques. Aujourd'hui, il sera question de Amin Rebeh, qui est donc président de l'association Infotrafic Algérie, ITA Algérie. Exactement. Bonjour, bienvenue, marhaba bek. Bonjour Léa, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Avec nous également Imane Hadjres, qui elle est chargée de cinéma à la direction du développement et de la promotion des arts. Bienvenue. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Alors, si je vous ai invité, et j'ai insisté aujourd'hui pour qu'il y ait un représentant du ministère de la Culture, d'ailleurs même Fatiha Beni Saad l'a fait avec moi, alors c'est parce qu'il y a eu une actualité, bon c'était début du mois de janvier, mais on peut toujours en parler, hein. Il s'agit du ministère de la Culture et des Arts qui a promulgué donc récemment un cahier de charges relatif à l'exploitation et à la gestion par le secteur privé des salles de cinéma. Enfin, quelques salles de cinéma, je pense qu'elles sont au nombre de 12. Exactement. Si je ne dis pas de bêtises, sur plusieurs wilayas. Et c'est une bonne nouvelle hein, pour la redynamisation du secteur cinématographique, de l'économie également. Exactement. En fait, c'est une très très bonne nouvelle pour le cinéma. Exactement. Alors, sous l'égide de Madame la ministre de la Culture et des Arts, Dr Souraya Mouloudji, le ministère de la Culture et des Arts, à travers l'Office national de la Culture et l'information, l'ONCI, a lancé un appel relatif à l'exploitation des salles de cinéma pour les privés. Oui, voilà. Des salles qui sont fermées. Voilà, des salles qui sont fermées pour les privés. L'annonce a été publiée en date du 2 janvier 2023. Et elle a pris fin le 31 janvier 2023. Mm-hmm. Bon, c'était avant-hier. Et 31, c'était hier. C'était hier, oui. Voilà. Alors, c'était on est hier. Premier, ça va, on n'est pas loin. C'était voilà, hier. Voilà, c'était hier, le 31 janvier 2023. Et il y a des salles qui sont concernées. Bon, il y a un listing des salles qui a été fait par le ministère de la Culture. Et en premier lieu, le ministère de la Culture a commencé par une douzaine de salles. D'accord. On peut citer déjà les villes. Moi, j'ai le nom des villes. Corrigez-moi voilà. Si je me trompe. Alors, il y a Naama, Intimouch, Ntmaskar, Guelma, Chlef, Indefla, Lerouat, Msila et Oum El Bouaqi. Très bien. C'est ça. Ouais, ça, c'est les wilayas qui sont touchées. Voilà, les wilayas qui sont touchées par les salles. Il y a des salles dans ces wilayas qui sont concernées ouais. par cette opération. Mm-hmm. Voilà, il y a 12 salles à travers le territoire national. Et autre chose, il y a un cahier de charges qui a été élaboré pour les gens. Normalement, je ne sais pas s'il y aura une prolongation pour le dépôt des offres. Mm-hmm. C'est-à-dire pourquoi, selon vous, l'offre donc, s'est arrêtée hier, c'est ça, c'était le dernier délai. Hier, c'était le dernier délai. Pour que le secteur privé, les représentants de ces secteurs privés puissent se présenter. Exactement, puissent déposer leur offre. Leur offre, exact. Ouais, et ça dépend, après, ça dépendra de la quantité des offres reçues aussi. Il y a possibilité d'avoir une prolongation de la date. Mm-hmm. Et pour les gens concernés par cet appel, le cahier de charge, ils doivent retirer le cahier de charge au niveau de l'Office national de l'ONCI. Si à 5 rues à marche. Les gens qui sont intéressés, c'est ça? Les gens qui sont intéressés, oui. Mais c'est au niveau de Hussein Day. Très bien. Voilà. C'est tout ce qui nous intéresse, nous. Ça, c'était juste pour marquer le coup et dire que finalement, c'est une super bonne nouvelle. Bon, on aurait aimé qu'il y ait encore plus de salles, parce qu'apparemment, il y en a encore d'autres. En premier lieu, le ministère de la Culture et des Arts a commencé par ces 12 salles. Oui, c'est déjà. Mais les autres, beaucoup. C'est déjà, exactement. Les un bon autres, début. C'est un bon déjà début, un bon exactement. Début. Mais les autres salles. J'imagine que ça va suivre. Exactement, Inch'Allah. Il y aura. Suivre. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas encore trop tard? Ça a été prolongé? Pas encore? Ceux qui veulent encore déposer leur... Alors, pour, sincèrement, je n'ai pas l'information exacte. Oui.
mais je pense qu'il y aura une prolongation de date. D'accord. Pour les gens concernés, ils peuvent suivre la page officielle du ministère de la Culture. Et ils auront toutes les informations. Parce que, voilà. Parce que finalement, et tout compte fait, si on revient au résultat, c'est pour dans l'intérêt du cinéphile, du cinéma, de l'économie également. Exactement. Du pays, faire que ces salles redémarrent, qu'il y ait un public, parce que les Algériens demandent à voir les films dans des salles de cinéma. Et nous avons des belles salles aussi, il faut juste les rénover. Il faut les rénover, il faut faire Les dépoussiérer, les rénover, et ça demande de l'argent. Et c'est pour ça que j'espère que ces représentants du secteur privé vont se manifester et qu'on pourra réouvrir ces salles de cinéma. Bientôt. En tout cas, c'était la nouvelle sur laquelle on voulait vraiment revenir, à retenir. Donc 12 salles de cinéma, c'est ça ? Exactement. Qui vont être, je l'espère, réouvertes très prochainement. Sur combien de villes ? 9, c'est ça ? Sur 9 villes. Sur 9 villes. Sur 9 wilayas, voilà. Exactement. Merci en tout cas d'être venu pour nous avoir donné l'information. Vous restez avec nous, vous êtes concernés, vous aussi, par ce qui arrive sur nos routes, les accidents de la route. J'imagine que vous voyez un petit peu ce qui se passe malheureusement à l'extérieur, avec le nombre de blessés, de décès. Et ça ne cesse pas, et malheureusement ça continue. Et Infotrafic fait partie de ces acteurs de la sécurité routière pour sensibiliser, pour vous tenir au courant un petit peu de ce qui se passe. Et la rubrique justement prévention routière, c'est tout de suite. Alors, Amin Rebah est avec nous. Je rappelle qu'il est le président de l'association Infotrafic Algérie, ITA, celle qui est en bleu. N'est-ce Exactement. Pas Voilà, j'insiste parce qu'il y en a une autre, mais c'est celle-ci, avec plus de 2 millions d'abonnés. 2 millions d'abonnés. Ça augmente à les 3 millions, ça y est. Presque 3 Presque, millions d'abonnés, on est à 2 millions et quelques mentions j'aime. D'accord, alors aujourd'hui, il faut le dire, vous êtes une association à part entière. Moi, personnellement, je vous ai rencontré souvent sur le terrain, dans des manifestations concernant la sécurité routière, la prévention. Vous êtes là, vous suivez ce qui se passe. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire, vu toutes les photos et toutes les vidéos que malheureusement vous nous montrez tous les jours? Voilà, donc pour commencer, donc exactement, on se dit à chaque fois qu'il y a moins d'accidents, parfois c'est périodique. Ouais. Il y a des moments là où on se dit oui, alors ça va se calmer, ça s'est calmé un peu. Après, et c'est le choc, et c'est des accidents encore plus, c'est encore plus de gens qui ne font pas attention sur la route. Donc le rôle de l'association Infotrafic, qui est devenue une association, c'était d'ailleurs une page Facebook. Oui. Donc on a voulu en profiter de la plateforme Facebook, non seulement pour donner l'information routière, mais aussi pour la prévention routière, vu qu'on arrive déjà à communiquer avec les chauffeurs algériens. Donc on s'est dit pourquoi pas se lancer dans la prévention routière. Mmh. Donc la prévention, que ce soit sur la page, que ce soit sur l'application, ou disons sur le terrain, vous avez déjà cité ça, oui. On a déjà des sorties, on fait de notre mieux. Mmh. Donc ça c'est un travail, disons, momentané. Oui. Parce que là, on est arrivé à un projet, là on se dit qu'il faut avoir une culture, il faut éduquer une génération. Mmh. Parce que là, ça devient très dur. On a eu un accident de deux bus il y a deux jours de ça. Mmh. Vraiment, c'est de l'inconscience. Ouais. Plus de 30 passagers dans chaque bus, qui se faisait, des manœuvres très dangereuses, ça a fini par avoir un accident. Ouais. Donc on se dit là, c'est devenu une culture. Ouais. Donc on est en train d'essayer. La dernière dispute aussi qui a causé un grave accident. C'est une dispute entre deux bus, ça a mené à un grave accident. Heureusement, il n'y a pas eu de mort, c'était juste des dégâts matériels. Ouais. Mais il y en a eu des accidents, on peut citer celui de Bouéra. Voilà, exactement. Il y a eu un accident à Hassim Saoud, ça fait 3 jours de ça, il y avait un mort, hélas, Rabbi Yarhamou. Donc ça n'arrête pas, n'arrête pas. Alors nous, on fait de notre mieux, que ce soit pour donner l'information, parce que parfois, si on a l'information déjà de la route, ça donne un plus pour le chauffeur algérien. Oui. Si on lui dit qu'il y a un bulletin météo spécial, vous c'est faites ça. Attention. C'est des infos pratiques que vous donnez. Des fois, il y a même de l'humour. Oui, c'est pas que des trucs, c'est pas que des informations moroses, etc. Non, pas du tout. Des fois, c'est humour, mais c'est de l'humour intelligent qui donne à réfléchir. Voilà, nous ce qu'on fait surtout au niveau de la page, on essaie de toucher toutes les catégories. Les jeunes. Parfois, on dit il y a des jeunes sur la page, mais aussi il y a des vieux, il y a des femmes, il y a de tout. Donc, pour toucher chaque personne,
Chacun et sa façon d'avoir le message. Oui. Donc on fait un mélange de tout, parfois de l'humour, parfois des comportements, aussi des comportements vraiment bizarres. Oui. Parfois on arrive même à publier des images. C'est choquant, oui, mais c'est pour passer l'information qu'un accident s'est vite arrivé. Et voilà, ça mène à quoi. Et comment vous faites? Vous sélectionnez les photos et les vidéos entre Bien sûr, vous on sélectionne. Donc parmi les choses qui ont donné de la crédibilité à la page Infotrafic Algérie ITA, c'est que l'information, elle est filtrée. Donc on ne fait pas passer n'importe quelle information. Il faut avoir vraiment l'information exacte. On a aussi une application, on reçoit l'information pratiquement à l'instant même. Oui. Donc c'est une application radio, Push to Talk, on reçoit l'information. Il y a une collaboration entre l'équipe, je dirais, on est à 83 personnes là, sur toutes les plateformes, associations, pages et l'application. Donc c'est toute une cellule qui travaille. Donc c'est des gens qui travaillent, c'est à titre... c'est des bénévoles, je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion, c'est des bénévoles. On fait ça juste pour donner un plus aux conducteurs algériens. Donc on le suit chaque jour. Voilà. Et c'est ce qu'on voit à travers toutes les photos qui viennent de défiler. Vous donnez l'information vraiment pratique et vous réussissez à votre manière de toucher, de sensibiliser. Et tant mieux. J'espère que cette association va continuer, va durer, qu'il va y avoir encore plus d'abonnés et surtout que vous allez toucher le plus possible, le plus de personnes possible. Exactement. Voilà. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci. Est-ce que vous avez un événement que vous préparez ou pas pour le moment? Bon, pour le moment, non, parce qu'on est déjà branché sur les intempéries ces derniers temps. Il y a des bulletins météo spéciaux qui se répètent, alhamdoulilah, chaque 3-4 jours, il y a un espace d'une semaine et tout. Donc on est beaucoup plus branché par les chutes de neige, le blocage des routes et tout. Donc on essaye de faire de notre mieux sur les plateformes pour le moment, mais on prépare quelque chose pour l'été, Inch'Allah. Pour l'été, et vous avez oublié le mois de Ramadan? Non, non, on ne l'a pas oublié. Pour Ramadan, c'est chaque année, c'est sacré, on fait des opérations. On est même en train de mettre une application Infotrafic Algérie. Ça va, Inch'Allah, aider le conducteur algérien beaucoup plus. Surtout pendant ce mois. Voilà. On en voit aussi, malheureusement, des accidents, ceux qui sont pressés, ceux qui font du 160 à l'heure pour arriver. Nous, au niveau d'Infotrafic Algérie, alhamdoulilah, chaque Ramadan, c'est une nouvelle, je dirais, c'est une nouvelle technique. Oui. Une année, on fait le jeûne, les points de contrôle. La deuxième année, on a fait l'assistance routière. C'était des patrouilles qui donnaient un coup de main pour les gens. Les Kounou Hapsin, juste avant d'entrer à la maison. Cette année, on aura une autre chose, Inch'Allah. Je vous laisserai la surprise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une bonne surprise parce que vous travaillez vraiment. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de bénévoles aussi au niveau de l'association. On est tous des personnes qui ont une vie privée, qui ont une vie personnelle et qui ont une vie personnelle. Et on arrive à séparer tout ça et on consacre un moment, vraiment un moment. D'ailleurs, je salue toute l'équipe à travers... Votre émission. Ils sont en train de vous regarder, c'est sûr. C'est une équipe qui travaille jour et nuit. Je donne juste un petit exemple. Il y a une personne qui a envoyé un message à la page, ça fait je crois 4 jours. Il était en panne sur l'autoroute de Burj Barerj. Le soir, il a envoyé le message, je suis en panne et tout. On a fait passer la publication au niveau de la page. Après ça, il nous a contacté, il a envoyé une vidéo, vous pouvez la regarder sur la page. Il nous a dit, mais c'est vraiment incroyable ce que vous faites. J'envoie un message la nuit, gratuit. Il y a des millions de personnes qui m'ont appelé pour m'aider. Ils m'ont aidé. C'est souvent arrivé, je l'ai vu. Oui, il nous a dit, je suis rentré chez moi. Il y a plein de personnes qui m'ont donné un coup de main. Vous faites ça le soir, mais comme ça, vraiment, merci. Ça nous a fait chaud au cœur. Vraiment, le message Théo, il nous a touchés. Ça nous a vraiment touché. Mais il y en a plein des comme ça, j'en ai vu. Dès que quelqu'un est en alerte, il a peur, il lance un appel. Et puis voilà, tout le monde lui répond, tout le monde le dirige. Il y a des gens qui viennent aider. Et donc, c'est pour ça qu'on vous remercie pour tout ce que vous faites. Voilà. Merci beaucoup, madame, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Vous reviendrez, Inch'Allah. Cette chronique sera présente chaque mercredi. Donc, si vous avez un événement particulier, une application, une nouvelle application, vous serez le bienvenu, parce que vous, non, c'est pas votre domaine. Mais s'il y a quelque chose au niveau cinéma, etc., vous également, il faudra venir le partager avec nous. Avec plaisir. Merci. À très, très bientôt. Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va vers la chronique nostalgie. Nostalgie, nostalgie. Que nous réserve aujourd'hui la nostalgie? Vous allez savoir dans quelques petites secondes.
Voilà, donc la rubrique nostalgie, ça change. Des fois, c'est de la musique, des fois, c'est du cinéma. Vous aurez droit aussi à des émissions qui vous ont marqué, de nos archives. Aujourd'hui, on a décidé de cadrer ça avec le domaine cinéma, puisqu'on parlait des salles de cinéma. Si je vous dis Clandestin, c'est un film qui vous a marqué, qui nous a tous marqué. Oui, hein, nous hein. A tous marqué. Clandestin, ça nous a tous marqué. Toutes les générations, je pense. Et ça a commencé d'ailleurs l'avant-première dans une salle de cinéma. Ça s'est passé, moi je me rappelle, j'avais à l'époque 8 ans, je crois, ou 7 ans. Et je me rappelle que voilà, mes parents étaient partis lors de cette avant-première. Et c'est un film qui nous a tous marqué, qu'on aimerait pourquoi pas voir dans ces salles de cinéma. Inch'Allah, j'espère que ça va se réaliser. Pour le moment, on se contente d'un extrait du film Clandestin. C'est un chef-d'œuvre en matière d'humour, de réalisation, signé par bien sûr Ben Amar Bertellah Yerhmo. On regarde un extrait dans la chronique Nostalgie. الحجاج يكبوكوس ومدكو كل جمك والله العظيم يشبعك جديد انت التا بروحك يا واحد الكذاب كاينوهك يا دوسو عرف واش قال قال لكم والله 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 ويا لو كان ما تقبلوش غير نحيكم القطه ينتاكم نروحهم في حفصو ها ها تكوا Wanga! Wakaga! Wakanga! Wakaga! Wakanga! Wakaga! Yaha! Yaha! Haba! Haba! تعرف ايش قال له وسي؟ قال له من وقت وليت راجل وتحقى الرجال واحد الكلب قال له كيف قال له الله اللي ربحك قال له هكذا قال له شو؟ انزب! انزب! Come from? راني فهمتو قلنا منين جيتو يعطر ما هاسي فهمو جينا بمساعدات زاير خدينا طريق الحجل وصلنا لسيد عيسى حكمت لابيست باش نهرب على الجدرمية والبراجات وجسنا على سيدي بوهراوة ايه وطحنا فيكم Is this you? No. Well,
What about that? أنا خاطيني ما نعرفوش ونمشي غير وحدي. These two. اش بيه كاين فيكم؟ هبيتي تراح يديروا لنا كسوة زي ناسي. Et ce sont des images dont on ne se lassera jamais, au grand jamais. Un film qui nous a tous et toutes marqués, le film Clandestin. On vous a proposé bien sûr quelques petits extraits, en attendant pourquoi pas de vous passer le film dans son intégralité sur Canal Algérie. Allez, tout de suite, nouveau plateau, le dernier pour aujourd'hui, à savoir Leïla Assès. Voilà, j'insiste, elle insiste sur son nom. Leïla Assès qui est avec nous pour sa chronique Mama Africa. Bonjour Leïla. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes vert. Oui. Hein, vous êtes avec la nature. La nature, la paix. La paix, exactement. Bienvenue. Juste à côté de vous, un artiste aussi, il nous a manqué. Hein. Hassan Agran du groupe Caméléon. Bonjour, Marhbeb. Bonjour, Allah yislamak, merci. Ça va, Hassan? Très bien, alhamdoulilah. La baisse? La baisse. Je suis très contente de te recevoir parce que déjà, ça fait longtemps que je ne t'avais pas reçu. Oui. Et en plus, je me suis posé la question, mais où est-ce que le caméléon? 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 C'est que certainement, le caméléon. Hein? Oui, oui. On est en studio en ce moment, on prépare quelque chose. Inch'Allah, il y a du l'éphant terrain. Oui. Single? Album? Peut-être un album, mais pour l'instant, on travaille sur un titre. Titre par titre. Et ouais. On va voir. Ça va être titre toujours à la sauce caméléon. Oui, oui, lazim. Toujours avec le style. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Au caméléon, ils ont un timbre. Khlas, ils ont un dom taba. Le style tahom particulier. C'est vrai. C'est la dekel hadja li nhoussou ndirouha. Toujours avoir. Nous la musique avec notre vision et notre touche. Et le texte aussi. Le texte aussi, il est très important. Voilà, on essaie de chercher un peu quelque chose de profond, de même il est simple ou là, mais qu'on a une profondeur. Mais ça ne vous manque pas, justement, la scène? Malakou, je t'ai la scène, ça fait quand même cher. Oui, oui, oui. C'est ce qui m'a dit la fréquence de la scène, c'est vrai, ça nous manque, surtout avec. Le Covid, l'année de la Covid, les fatos. Mais ça, elle est en train de. Est-ce que le groupe Caméléon fait partie de la catégorie d'artistes, les rolos, par exemple, qui m'écoutent, je ne veux pas aller sur scène. Ou là, non, si on vous appelle, vous êtes sur scène. Il n'y a pas vraiment trop de scènes mais même Bkri, il n'y avait pas trop vraiment de... Si, il y avait une période où le premier album Tahkoum, il a vraiment bien marché. Oui, on a fait pas mal de scènes, mais quand on dit, oui, là, il y a les gens qui ont fait ça, mais il y a des gens qui ont fait ça, parce que... C'est ça. Madabikoum, voilà, vous partez aussi à la rencontre de votre public. Oui, bien sûr, parce que depuis le début, on a des messages, à l'époque c'était 48 wilayas. Donc il a bzaf, voilà. Donc à chaque fois, il demandait, on a madabine, bien sûr, surtout au début, il y avait vraiment beaucoup de gens qui habine chouffouna sur ça. Eh ben voilà, là qu'il y a des gens qui se disent, madjatkoum chadi à l'esprit. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent, oui, peut-être que Caméléon, khlas, habso, peut-être qu'ils se sont séparés, peut-être que, aujourd'hui, on leur dit non, Caméléon existe, ils sont là, ils sont plein d'enregistrements, ils sont en studio, ça travaille, ça écrit, les textes aussi. Oui. Donc, mahesh habso, rassurez-nous. Ah non. C'est vrai que le rythme de la chouette est très important. Et vous me faites rappeler un artiste que je vais citer. Je ne sais pas pourquoi c'est celui-là qui me vient en tête. Je suppose que vous connaissez. Si je vous dis Laurent Voulzy. Bien sûr. Ouais. Voilà, c'est un artiste très spécial. Laurent Voulzy, c'est un artiste aussi à texte. Et c'est un artiste qui a la réputation de prendre beaucoup de temps quand il fait un album. Il prend 10 ans, il peut prendre 13 ans. Mais quand il le fait, c'est toujours un succès. C'est-à-dire qu'il est très minutieux dans l'écriture. Est-ce que vous êtes comme lui, c'est-à-dire la même catégorie? Vous prenez tout votre temps pour pouvoir sortir bel album. C'est vrai que je prends trop mon temps de faire et de refaire. Ouais, c'est ça. Je fais une chanson, je trouve une autre version et ça. Et bien, c'est ça le truc qui. La perfection, dès que je suis à ce matin. Je suis à la perfection.
لا ما عندك خليها باش هكذا ومن بعد كي نشوفوا الريزلتات سا فا ايت جينيال ان توكا فوالا سا سي سيتي بور افوار دي نوفيل دو كاميليون ا ترافير بيان سور حسن تو لو ريست سو بورت بيان لي زوتر ميوزيسيان غارام بخير الحمد لله خوك او بخير بيان تو الموند فا بيان الحمد لله ان توكا راك بيان بون مين سا سو كا هو ان بلان il est en pleine inspiration et on attend le résultat très prochainement Inchallah. Que tu viendras bien sûr nous présenter. Bien sûr, s'il y a un Inchallah. Clip qui sort, on veut être les premiers. Hein. Très bien, avec plaisir. D'accord. Alors, tu restes avec nous parce qu'on va t'écouter et tu vas nous offrir un cadeau parce que okay. voilà, il va chanter. Moi, j'adore Hassan quand il chante tout seul aussi. C'est un moment très particulier juste avec sa guitare et on va le partager avec vous juste après la chronique de Leïla Assès tout de suite. Leïla, comment ça va? Ça va très très bien. L'Afrique toujours à l'honneur? Toujours. Vous portez un bijou aujourd'hui, très très beau bijou, absolument. Sur lequel vous allez revenir dans votre chronique. Oui, absolument, absolument. Aujourd'hui, je suis venue vous parler du bijou le plus emblématique et le plus médiatisé des bijoux Touareg. On l'appelle Tezralet. Tezralet est un nom un peu générique pour désigner tous les bijoux qu'on porte autour du cou. Il est vrai que les amateurs du tourisme saharien en Algérie le connaissent très très bien. On peut aussi le trouver dans les boutiques d'artisanat ici même à la capitale. Mais savais-tu, Lilia, qu'il nous vient de Niger ? D'accord. Du nord du Niger précisément. En fait, on dénombre 21 pièces authentiques, traditionnelles. Et chacune des pièces, elle porte le nom d'une ville oasis emblématique des Touaregs du Niger. Donc Agadez, Laayer, Efrouen, Ingel, Zinder, Tahoua et enfin, il y en a 21. La 22e pièce, elle est en hommage à Manu Dayak, un personnage politique très important dans la culture Touareg décédé dans les années 90. Autrefois, ce bijou, il était en fait réservé aux hommes. Donc, c'était un bijou masculin qu'on transmet D'accord. de père en fils. Puisque en fait, chacun est associé à une ville, on peut deviner que c'était aussi un marqueur social. Donc, on peut reconnaître que tel ou tel bijou, il nous vient de tel ou tel... Enfin, telle ou telle personne vient de tel ou tel oasis. Oui. Mais après, avec la mondialisation, ces bijoux, ils sont fabriqués un peu partout et ils sont portés par tout le monde, hommes, femmes, et aussi toutes nationalités confondues. Donc, en fait... C'est vrai qu'il a perdu un peu son côté ésotérique, son côté marqueur social. Et malheureusement, la mondialisation fait qu'il est fabriqué partout, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et ce qui a un peu fait défaut et posé problème aux artisans authentiques Touareg, qui aujourd'hui ne trouvent pas un peu leur place dans ce marché. D'accord. Donc, voilà. Et aujourd'hui, c'est-à-dire quand on le voit, on dit c'est algérien. Parce qu'ici, on le retrouve partout en Algérie aussi. On le retrouve partout en Algérie, mais ça aussi c'est... à cause des enfin, je veux dire, de par l'histoire commune entre l'Afrique, enfin, pardon, l'Algérie et le Niger, mais aussi durant les années 70, on observe une grosse vague de migration d'artisans et de Touaregs nigériens qui se sont installés à Tamanrasset. Ouais. Ce qui explique, je pense, un peu sa démocratisation en Algérie. D'accord, très bien. En tout cas, c'est une belle histoire parce qu'on n'avait pas toutes ces informations finalement. Oui, parce qu'en fait, il y a trop de mystères ou beaucoup d'hypothèses autour de ce bijou. C'est à tort qu'on l'assimile à une croix, alors qu'il n'est pas du tout une connotation religieuse dans le monde Touareg. Voilà, ça c'était important aussi de le signaler parce que beaucoup de personnes l'ignorent. Absolument. Qui disent la croix du sud, alors que c'est pas ça du tout. Absolument. N'est-ce pas? Oui. Merci. Heureusement que vous êtes là, Leïla, pour nous donner toutes ces informations. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui. Rapidement, va. Rapidement. Ça, c'est une exclusivité que vous allez nous dire. Oui, en fait, le 4 février, il y aura la cérémonie de clôture donc, de la chaîne. Et je voulais vous parler d'un artiste nigérian qui sera donc à l'honneur. C'est CK. C'est un artiste, en fait, les plus en vogue en ce moment en Afrique. Il fait du Airbnb. Airbnb Cook. Ça, c'est un groupe. Non, il fait aussi de l'afro beat et de l'afro pop. Oui. Donc, il était très très connu pour son tube Watané en 2022. Si ça vous dit rien, ça donne quoi déjà? J'avais le rythme en tête. Moi aussi, je l'avais jusqu'à maintenant. La, 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 la. C'est ça. Dertala, Dronia, Chenahas, Mana, partout, partout, les réseaux sociaux, les influenceurs, TikTok, partout.
Et voilà. Il sera à l'honneur. Il sera présent. Il sera présent. Et il vient du Niger. Nigeria. Nigeria. Oui. Ah ben voilà, l'Afrique à l'honneur encore une fois lors de la clôture du CHAN. Ce sera donc ce samedi en après-midi, j'imagine, puisque le dernier match en finale, j'espère que l'Algérie en fera partie, ce sera à 20h30. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Leïla. C'était super sympa. Comme à chaque fois, comme on se retrouve mardi prochain, Inch'Allah, avec une autre rubrique. Hassan, on va regarder quand même le clip que j'adore. Oh, j'adore cette chanson et ensuite on se retrouvera pour la suite. Allez, on y va. لبس هزي ولا تساتو ديما ومن غير هزي اللبسة ما يختار وين يمشي الزين تمشي ريما سكن هزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة ومن غير هزين ما يسكن دار وما فات هزين ولا غت من دونه تغنى مع الزين وتسير ويما صار ضوية في اللون كي القمر في لونه حوضت العين من دبيلة الأشبار فضها برصوم شفايف وما حنو وتقوم صوت حنين محنان ويقوم صوت هالحنين ما حن عليك خلاني حار في الحنين كي نقار وعدروني سمعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زين عما ما بصر في حياته نهار يا وعدروني سمعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زين عما ما بصر في حياته نهار وين يمشي زين تمشي ريما سكن هزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة من غير هزين ما يسكن دار وما فات هزين ولا غنت من دونه تقول انا عزين وتسير وما صار ضويا باللون كي القمر في لونه حورت العيل من بيلة الاشبار فمها مرسوم شفايف وما حلو تقوم صوت حنين محنان ويقار صوتها الحنين ما حن علي خلاني حارف حنين كي قار وضياها في الليل كي القمر في ليلو عرف نهار بالشمس طول نهار إلا دخلت خل النهار في ليلو وإلا خرجت خرج من الليل نهار وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصر في حياته نهار يا وادروني كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصر في حياته نهار Je crois que c'est le moment que je préfère gaffe, Hedlronia, c'est je trouve que voilà, ça donne des frissons. Elle est juste magnifique, cette chanson. Et on a la chance d'avoir avec nous Hassan Agran du groupe Caméléon. Je le rappelle, le groupe se porte très bien. Ils sont heureux, ils sont en plein enregistrement, en pleine écriture. Et ils vous préparent un super bel album, je l'espère. En tout cas, on attend le single. Alors, on va te retrouver, Hassan, pour un petit live intimiste chez nous et on en est vraiment très contents. Tfaddal. D'accord, merci. معي ليلة مغرامك منجيب العمر اخبار ليلة قلبي كويا جمال مخرجة ارمي الحال قلبي كويا جمال مخرجة نرمي على البحر
للبحر نرميه كيما رماني بنزين الفاني عندو يحفر لي قبره نرمي انا ومعلي فيه غيرني يا عمي مخلوعة بسواد شفرة نرمي انا ومعلي فيه غيرني يا عمي ما تلاقي غير الدار الدار ديك النية العامية وساكنة قلبي وخلعات وبعشق سينا القامة والمظهر جيب العمر يخبر ليلة ليلة قلبي كويا جمار خريزة نرمي البحار قلبي كويا جمار خريزة نرمي البحار علاش دير لنا هكذا وعلاش سي كوا هاد ليموسيون مي سي جوست مانيفيك حسن فرانشمون سا في بارتي دا نوفال البوم او سي اون انسيان شانسون هادي ما سمعتهاش سي نوفال فيرسيون دون انسيان شانسون سابيل ليلا ليلا فوالا عندك بزاف حكايات مع الليلات نهضر هادي ليلا شكون انا ثاني وسني ليلا ولا ليلى هي ثاني ليلى يا بلان دو ليلات ici merci en tout cas Hassan d'être venu c'était un plaisir franchement ce petit bijou que tu viens de nous offrir on va le garder précieusement et on attend la suite promis oui merci beaucoup ya tek saha voilà on arrive à la fin de notre émission merci à vous tous de nous avoir suivis merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission ces deux numéros on se retrouve dès mardi prochain avec d'autres invités les mêmes chroniques et puis toujours des artistes aussi talentueux que Hassan par exemple du groupe Caméléon voilà tu peux faire un petit coucou à ceux qui te regardent hein. Ils te regardent voilà en plus la crête par la classe c'est terminé pour aujourd'hui et n'oubliez pas donc on se retrouve la semaine prochaine mardi et mercredi prochain souriez vous êtes sur Canal